Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo de la semaine sur Xur puisqu'il vient d'arriver dans nos contrées sur la tour. Alors apparemment il y a un level 30 à côté de moi qui est en train d'essayer de me troller. Peut-être qu'il est en train de comparer nos stuff, j'en sais rien. En tout cas, c'est le début du week-end de Xur, donc on va aller voir un petit peu en détail ce qu'il a à nous proposer. Alors avant ça, je vais juste vite fait faire un saut dans mon coffre pour récupérer les particules de lumière, les pièces étranges dont je vais avoir besoin. Je crois que c'est à peu près tout. Donc je vais pouvoir me rendre à Xur. Donc j'ai pu voir, je me suis fait un petit peu spoiler sur Twitter qu'il se trouvait auprès de l'avant-garde, au tout premier emplacement où il est apparu la première fois. Donc c'est bien cet endroit-là. Alors c'est parti, on va regarder un petit peu ce qu'il propose. Alors l'Armamentarium, donc un torse de titan. Donc ça c'est cool. En fait apparemment il y a 3 torses cette semaine. Donc rapière des chanceux, ça doit être pour le chasseur. Et plastron de la canine abyssale pour l'arcaniste. Alors côté arme, il propose le stoïque, un fusil de précision. D'ailleurs, il a un look carrément sympa, donc je pense que je vais le prendre. Alors, on va regarder un petit peu ses spécificités. Donc hormis du dégât, un camouflage qui s'active lorsque vous utilisez le viseur. Donc je pense que c'est une arme qui va vous permettre d'être invisible quand vous allez l'utiliser en mode visé. Donc ça c'est plutôt sympa. Visée accrue apparemment, vitesse de la visée accrue. Donc ça je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose que je prends. Alors côté engramme exotique, on a un engramme de casque, eh bien je vais le tenter. Et on a bien évidemment les raretés habituelles, sauf que j'ai plus de pièces étranges pour les acheter. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, pourquoi j'ai jamais de lumen? Parce que j'ai jamais de pièces étranges et du coup je suis obligée de mettre tous mes lumens dans les cartouches d'armes que j'achète auprès de l'armurier, puisque ben là je peux pas acheter celle-là comme vous pouvez le voir. Et donc là j'ai eu un engramme de casque exotique et malheureusement je ne vais pas l'utiliser dans cette vidéo puisque je vais l'ouvrir et bien tout simplement à l'aide du nouveau personnage, le troisième que je viens de créer, qui est un titan. Donc je me le garde pour mon petit titan puisque mon arca et mon chasseur et bien a priori sont complets pour le moment. Et voilà, c'est terminé, c'était la petite vidéo du week-end sur Xur, donc j'espère que vous serez aussi chanceux et comblés que moi. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur du Destiny. Ciao ciao! Excès de radiation. Mise en